Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 12e épisode des choses à savoir sur Minecraft. Je vous avais demandé la dernière fois quel mob vous voudriez voir pour le prochain épisode, et celui que vous avez choisi est le Silverfish. Aujourd'hui, je vais donc vous citer 5 choses à savoir sur le Silverfish, avec à la fin un petit bonus. Numéro 1. Les Silverfish sont assez rares à trouver. Vous pouvez en trouver dans les forts, dans les biomes Extreme Hills, et même dans les igloos. Numéro 2. Si vous pensez être tombé sur un bloc infecté, vous reconnaîtrez immédiatement que c'en est un, à cause du fait que le bloc se mine aussi vite à main nue qu'avec une pioche en diamant. Numéro 3. Beaucoup de joueurs pensent que le Silverfish se multiplie lorsqu'on le frappe. Cela est faux! S'il y a d'autres Silverfish dans les parages, ils se manifesteront qu'uniquement si vous blessez un autre Silverfish. Mais si vous tuez le Silverfish en un coup, cela n'éveillera pas les autres. Numéro 4. Lorsqu'un Silverfish n'est pas agressé, il disparaîtra dans un bloc de pierre ou de briques de pierre à proximité en faisant une fumée blanche. Numéro 5. Si vous utilisez une pioche avec l'enchantement touché de soi pour casser le bloc infecté, vous récupérerez tout simplement le bloc et le Silverfish aura disparu. Bonus. Le Silverfish est tellement petit que lorsqu'il est sur un bloc de Soul Sand, il se foquera. Cela se produit à cause du fait que la Soul Sand est très légèrement plus petit qu'un bloc normal. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode sur les choses à savoir sur le Silverfish. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses et que ces dernières vous ont aidé dans vos aventures Minecraft. Dites-moi dans les commentaires quel mob vous voudriez voir pour le prochain épisode. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à partager cette vidéo. Mesdames et messieurs, bonne journée.